La fumée s'échappe encore de la toiture, signe de l'important incendie survenu ici la nuit dernière. Il est un peu plus de 22 heures quand les sapeurs-pompiers sont alertés. Des flammes s'échappent de ce site de recyclage de déchets métalliques. 12 heures plus tard, les services de secours et d'incendie sont encore à l'ouvrage. Actuellement, nous sommes environ une vingtaine sur site pour finaliser les opérations d'extinction. Nous avons 5 lances en manœuvre. Et le but étant d'étaler justement les tas de métaux qui étaient embrasés pour justement finaliser l'extinction avec les moyens en cours. Hormis des dégâts matériels, il n'y a pas de chômage technique à déplorer dans cette entreprise qui emploie 54 salariés. L'outil de travail a été préservé. Enfin, les tests toxicologiques sur les fumées sont revenus négatifs.